Yo tout le monde, c'est Génio et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur My Time at Portia. Et je suis aussi étonné que vous de voir Ginger sortir, bah écoutez, pourquoi pas. Tu vas bien? Tu vas bien? Hop, tout le monde travaille 6 heures par école, j'aurais aimé pouvoir aider. Alors oui, effectivement, puisque... Ah, c'est pour ça qu'elle est sortie en fait. Puisque, en fait, quand j'ai commencé la journée, j'ai eu un rappel événementiel. Il s'avère qu'il y a un événement aujourd'hui. C'est le festival d'automne. Alors, c'est vrai qu'on en avait parlé, on nous avait dit, fait des préparatifs, etc. Au final, on n'a pas eu le temps de le faire, hein, clairement, on va se le dire. Donc, voilà, au final, il y a l'événement de 10h à 13h, la compétition, et de 14h à 17h, il y a le concours culinaire. Donc, on essaiera d'aller y participer, voilà, tout simplement. Et puis, en attendant 10h, on va quand même faire nos petites missions, enfin pas nos petites missions, mais nos petites tâches quotidiennes, on va dire ça comme ça. Et j'ai du courrier. Alors, ok, c'est dans 2h, tout à fait. De Albert, nous avons besoin de ton aide pour d'autres éléments de la station des sources d'eau chaude. Il faut une pompe alimentée pour assurer la circulation de l'eau et un chauffe-eau pour maintenir une bonne température. Tu penses pouvoir t'en charger? Tu vas devoir parler aux dames du centre de recherche pour obtenir les diagrammes. Très bien. Eh ben c'est parfait. On a nos nouvelles missions. Alors je crois qu'on avait déjà une mission nous à faire. Hop, et que j'avais commencé, c'était quoi qu'il me fallait? Alors ça, je me suis pas renseigné. Voilà, c'est ça. Le modèle de source intégrale, ça techniquement, je vais pouvoir le faire et bah là, faut que j'aille voir Petra, donc je vais me le mettre de côté aussi. Hop, déjà, je vais commencer par faire ça, le modèle de source intégrale. Il me semble que j'avais lancé des crafts de je sais plus quoi. Ah, c'était peut-être ça. Hop. Et en gros, il me manquait pas grand-chose pour pouvoir faire ça. On avait quasiment tout la dernière fois. Hop. Mais je crois qu'il manquait effectivement de l'aluminium dur, comme ça. Donc normalement, on va pouvoir regarder pour faire cette source intégrale, là. Hop, si j'arrive à aller jusqu'au bout. Allez, on y est presque. Hop, le pédalo, voilà, ici. Alors, ça je vais pouvoir le faire, ça je les ai, et ça je les avais achetés. Bah vas-y, on va se lancer là-dedans. Alors, du coup, c'était ça, voilà, j'avais besoin de ça, oui, j'avais fait ça, justement, donc c'est ça que j'avais besoin, en fait. J'avais besoin des épines, enfin pas les épines, mais les aiguilles, là, ça, je sais plus comment ça s'appelle, et j'avais besoin de acier carbone, voilà, alors. C'est pas ce que je voulais faire, mais je voulais juste récupérer ce qu'il y a à côté. Voilà, très bien. Et normalement, je crois que là, on est pas trop mal. Il me fallait... Voilà, 5 cuirasses, on est bon. Allez, fais-nous les 5 cuirasses. Voilà, très bien. Alors, déjà, les assiettes en porcelaine, je peux les placer. On va pouvoir mettre l'aluminium dur, très bien. Je vais pouvoir mettre les cuirasses. Et le dernier truc, je ne sais plus ce que c'est, mais on va regarder. On va regarder. Qu'est-ce que c'était le dernier truc? Ah, le topaze. Effectivement, le topaze, je ne l'ai pas sur moi. Logique. Je me balade pas tout le temps avec du topaze sur moi. Voilà. Et on est bon. On a notre modèle de source intégrale. Je vais pouvoir le récupérer. Et du coup, il faut qu'on donne ça à Arlo. Alors, juste avant d'aller au concours de culinaire ou je sais pas quoi, là, j'ai quand même un petit peu parlé à mes petits animaux. Voilà, mes petites poulettes. Très bien. Elles sont à 120%. Et du coup, le canard... Pourquoi on voit pas tout le temps les pourcentages sur les... Ah, 90. Ok, j'ai vu 90. C'est très bien. 90, c'est pas mal du tout. Hop, les petites vaches. Voilà, on est bon, on fait le petit tour, et il va être bientôt 10h, donc ça tombe bien, hop, parfait, bah voilà, la compétition commence, juste le temps de ramasser mes crottes et mes laines là, voilà, Polly a fait un don au tas de récoltes, oui c'est vrai qu'il faut faire des dons, faut donner des fruits je crois et des légumes, un truc comme ça. Non, je vais monter dessus, en fait. Vas-y, monte dessus. On va aller voir, je me souviens plus exactement de ce qu'il faut faire. Je sais qu'il y a un stand... Ah, voilà, c'est là. Ah non, la compétition, c'est ce soir. Et là, voilà, là, il fallait mettre des gros fruits, mais moi, bah, j'ai rien, quoi.
J'ai rien là. On peut essayer hein, de mettre un truc, mais j'ai pas fait pousser grand chose, je vous avoue. J'ai fait pousser des fleurs, moi. Ah, des abricots. J'ai peut-être des abricots. Vas-y, on va mettre des abricots. Hein. De toute façon, c'est la seule chose que j'ai. C'est la seule chose. Par contre, ouais, je peux pas ouvrir les coffres avec ça. Et en fait, je me dis qu'il va peut-être falloir que je range un peu, parce que quand je vais avoir besoin de prendre des objets, parce que je me souviens qu'il faut acheter des objets, et il faut les donner à un peu tout le monde à chaque fois. Donc, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Vas-y, je vais ranger un peu mes trucs, là. Tout ce qui est les arbres. Voilà, ça, c'est de l'arbre. Le miel, ok. Fleur d'hibiscus, très bien. À limite, je vais le mettre dans végétation, ça. Végétaux, voilà, parfait. Parfait. Les graines. Alors ça, oui, ça, c'est pour une mission avec Ginger. Et d'ailleurs, je me suis renseigné sur où on pouvait obtenir l'autre objet. Donc, ça va être intéressant. Ok, ça, je dépose là. Vas-y, ça. Très bien. La crotte, la viande, non, ça va pas là, par contre. Ok, et j'ai des ressources minerais. Voilà, tac. Voilà, parfait. On est pas mal. Ça, c'est ressources minerais ou ressources autres. Vas-y, c'est du minerai un petit peu. C'est un petit peu du minerai, on va dire ça comme ça. Voilà, je fais bien de la place. Hop. Ça, je garde. Là, j'ai du loot encore. La petite bouteille. Ça, c'est pas du loot. Du coup, ça doit aller dans nourriture, à mon avis. Nourriture, voilà, parfait. Et je dois avoir des ressources hautes pour ça. Ça, du coup, je vais le garder. Et ça va dans ressources minerais, je pense. Ouais, allez, ressources minerais. Adjugé vendu. Allez, hop, je mets ça là. Et du coup, ça aussi, c'est pour la mission, donc je le garde de côté. Ah, par contre, je le garde pas dans ma main, ça c'est sûr. Et par contre, j'ai oublié de prendre, c'est mes abricots. J'ai oublié de prendre mes petits abricots, là, où est-ce qu'ils sont ? Nourriture. Alors, de toute façon, je vais prendre un peu de viande. Je vais prendre des œufs, parce que ça, potentiellement, on peut m'en demander. Abricots secs. Alors non, moi, c'est pas ça que je voulais. C'était des abricots normaux. Ils sont dans végétaux, je crois. Voilà, parfait. Prendre des abricots. Je vais prendre ça. Tout ce qu'il pourrait potentiellement nous demander. Je me rappelle que ça, il nous en avait demandé. Ça, de la cannelle. Bon, je pense qu'on sera pas mal. Déjà, j'ai quelques ingrédients au cas où on m'en demande à la compétition. Mais, hop, on va tout de suite foncer, du coup, au niveau de ici. Alors, on va déposer un abricot, mais honnêtement, je pense qu'on va pas faire grand-chose. Impossible d'utiliser cet objet. Je peux mettre des œufs ? Non, je peux pas. Qu'est-ce que je peux mettre, là ? Est-ce que je pourrais mettre ça, par exemple ? Ou ça, peut-être ? Ou la laitue ? La laitue, c'est moi qui l'avais fait pousser ou... Je m'en rappelle plus. Ah oui, j'ai mis de la laitue. Bon, clairement, cette laitue-là est déjà plus grande que la mienne, mais... C'est pas grave. Oh, par contre, je peux peut-être en profiter, là, il y a des gens. Il y a pas mal de gens. Je regarde un petit peu ceux que je connais. Philippe, j'ai rien pour toi, Albert. Attends, Mars, est-ce que j'ai... Attends, j'ai des cadeaux pour qui, là? J'ai des cadeaux pour qui? Attends, tout ça, c'est les légumes, ça. Je vais les mettre à part parce que je confonds, du coup, les deux lignes. Voilà, parfait. Donc, ça, c'est May et... je ne sais plus comment elle s'appelle. Et Alice. Alice, parfait. Elle est là. Alors, tiens, j'ai un cadeau pour toi. J'en profite. Tout le monde est là. Même ceux qu'on n'attend pas. Très bien. Django. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois que je leur donne un cadeau, ils s'en vont. Je sais pas pourquoi. Ok, très bien. Alors toi, je t'en reparle aussitôt parce que déjà, bah, je vais te parler. Mais surtout, j'aimerais bien une petite recette... Une nouvelle recette du saumon doré, papaye bambou ou saumon doré. Bon bah écoute, saumon doré, hein. Tête de poisson mijoté à sauce soja. Ok, bon, je connaissais déjà ça. Jack, toi, tu veux de la citronade. De la limonade, pardon. En soi, c'est pareil, hein. En soi, c'est pareil. Ok, Xu a fait un don au tas de récoltes. Comment on fait ça? Je me souviens plus. Comment ils avaient fait ça, je me souviens plus du tout. McDonald's, j'ai rien pour lui là. Hein. Non. Faudrait que je trouve Petra. Petra. Il n'y a pas Petra. Pays. Je regarde un petit peu les gens en fait que je vois. Comment on fait un don? Bonjour. Hop, je peux y parler, mais un peu de. Une commande de riz, voilà qui arrivera. Mon problème d'appétit. Voilà. J'ai pas. Ok.
Carole. Non, pas Carole, Nora. Oh, Yarlo, attendez. Attendez, Yarlo. Yarlo, Yarlo. J'ai deux choses à faire avec Yarlo. Attends, attends-moi. Attends-moi. Ok. Qu'en penses-tu? Je voyais ça différemment. Qu'importe, ça fera l'affaire. Merci pour ton aide. Ok, donc là, j'ai terminé ma requête. Ok. Ensuite... Ah oui, mais j'ai trois choses avec Arnaud, du coup. Parce que... Hop, je vais lui donner ça. Voilà. Oh, Arlo est maintenant mon ami. Très bien. Et du coup, j'ai des améliorations de relations avec avec les trois là. C'est parfait. Et je voulais... Est-ce qu'on va avoir le temps de faire la quête? Parce que... Ah, je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de faire la quête. Donc, je vais pas la prendre. Je vais pas la... Oh, quoi que... Ah, tant pis. Voilà, il est parti. Il est parti trop vite, hein. Il est parti trop vite, le petit Arlo. Ok. Tu ne figures pas au top de cette compétition. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'ai donné une pauvre laitue, là. Ah, c'était ici pour faire des dons, c'est ça. Présenter le produit. Voilà, score. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Il y a quoi qui donne des points et que j'ai, là? Champignons rouges, ça donne des points. Ok. Et tiens, je te donne presque tout. Voilà, parfait. Don max, 9. Ok, ok, ok. Mais nous, on va donner des trucs qui valent cher. Oh, ça vaut cher, ça. Ah non, ça vaut 2 points, mais j'en ai 14. Ok, très bien. Ça, ça vaut 4 points, j'en ai 8. Vas-y, je vais en donner. Parfait. Qu'est-ce qui vaut des points? Oh, la cannelle, ça vaut 8 points. Bon, en même temps, je sais plus où je l'ai eu, mais parfait. Oh, le miel, ça vaut 8 points et j'en ai plein de ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment ça, j'en ai que 2? Ah, parce que je suis déjà à mon max de... Ah oui, mais attends, parce que du coup, à la limite, je vais enlever des trucs qui valent moins de points, là. C'est quoi que j'avais donné qui valait pas beaucoup de points? Ah, ça vaut 10 points, ok. Ça, ça vaut 6. Comment j'enlève ça? Ah, je peux pas, en fait. C'est déjà donné. Attends, si je fais annuler. Si je fais annuler et que je donne... Alors, attends. Du coup, les trucs à 10 points, je peux les donner. Parce que ça valait le coup. Ça valait le coup, ça valait le coup. Là, 5 points, ça vaut pas le coup. J'ai du miel, c'est mieux. 9 points, mais j'en ai que 1, donc c'est dommage. 10, voilà, ça, parfait. Je peux donner... Voilà, je vais en donner 8. 15 points, j'ai rien. 8 points, j'ai de la cannelle, mais du coup, je préfère donner du miel. Très bien, 19 points. Oh, 20 points, les noix de coco! Vas-y, vas-y, je donne. Je donne, je donne, je donne. Ok, 30, 30. Ah, les noix de coco, j'aurais su, j'en aurais pris plein. J'en aurais pris plein des noix de coco. Oh, il y a des trucs, ça vaut ultra cher. Ah oui, d'accord, c'est les poissons après, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ah ouais, mais il y a des trucs... Il y a des trucs, c'est cheaté, hein. 350 points direct, là. Bon, ok, du coup, les noix de coco, on est pas mal. Et bah, je vais compléter avec du miel, du coup. Voilà, allez, 9. Très bien. Allez, je confirme. Voilà. J'ai fait un bon don, là. Là, on n'est pas trop mal. Ça a augmenté bien notre... bien le score, là. Faut que ça arrive à 550. J'espère que les autres vont donner des trucs aussi. Et du coup, le concours, c'est quand, là? C'est à quelle heure? C'est à quelle heure le concours? C'est à 14h, ok, donc ça va pas tarder. Ça ne va pas tarder. Est-ce que je... Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps avant 14h. Alors, normalement, il faut faire des recettes, si je me souviens bien. Sauf que je ne connais toujours pas les recettes. Donc, ça va être un petit peu la galère. On va essayer de voir si on arrive à faire des choses. Allez, ça va commencer. Voilà. Oula! Oula, j'ai eu des améliorations d'amitié, là. Je pense que j'ai eu 2-3 personnes où ça a été amitié. Ok, comment je fais, moi? Interagir, cuisiner. Parfait. Alors, riz frit au saumon. Donc, il faut du riz, forcément. Il faut du saumon, ça me semblerait logique. Et frit. Vas-y, je vais faire ça. Du riz et du saumon, ça fait du riz frit au saumon, en vrai. Hop, échec du plat. Oh, non. Non. Rouleau de poisson fumé. Je ne sais pas. Rouleau de poisson fumé. Je me dis, ça ne doit pas être avec de la carpe koi empereur, parce que c'est un plat qu'on pouvait faire. Donc, je vais faire ça. Du cumin. On sait rien. Et du sel de roche, vas-y. Let's go. Est-ce que c'est ça? Oh oui! Oh, parfait, j'ai réussi un plat. Plat réussi. Oh là là, le coup de bol. Le coup de bol, le coup de bol. Soupe de radis doré. Soupe de radis doré. Déjà, il n'y a pas de radis. On va remplacer par du gingembre. Doré, je dirais bien qu'il y a du miel. Et soupe de radis doré. Peut-être avec des carottes à couche, là. Peut-être ça. Vas-y, let's go.
On va essayer ça. Ah, échec du plat, malheureusement. Malheureusement, nombre maximal de plats fait. Bon, bah écoutez, tant pis. Hein. Tant pis, tant pis, tant pis. Ah oui, c'est vrai qu'on peut manger des plats, je me souvenais plus de ça. Hop, on peut manger des plats. Bon, en tout cas, écoutez, j'ai été ami avec, avec pas mal de gens. Bon, alors, dans la mission qu'on avait, donc il y en a une que j'ai rendue à Harlow, et j'en avais une autre avec Ginger, qui voulait qu'on aille faire un tour à l'île d'Argent. Et donc, on avait acheté la chaise longue double au niveau de chez Polly, et le parasol jaune, on pouvait pas l'acheter au niveau de chez Polly. Je me suis renseigné, et en fait, le parasol jaune, il s'achète ici. En fait, AAG et construction, il y a aussi des meubles ici, et ça, je ne le savais pas du tout, parce qu'en fait, moi, je vais tout le temps là, mais il doit... Voilà, j'allais dire, il doit y avoir une petite caisse pour acheter, voilà, le magasin. Très bien, et en fait, c'est ici, normalement, où je vais pouvoir acheter, voilà, le parasol. Très bien. Oh, et en plus, le prix du marché, là, il est à 73%. On est bon. On est bon, on est bon, et voilà, comme ça, on va pouvoir faire plaisir un peu à Ginger. Parce que elle voulait qu'on aille se balader sur l'île Argent Étoile. Mais du coup, je n'avais pas encore ce qu'il me fallait. Et je savais pas du tout qu'il y avait des meubles ici. Donc en vrai, on verra peut-être, je ferai peut-être un épisode spécial. Ou peut-être que, je sais pas, je le ferai en off et je vous ferai un peu la surprise. Mais j'aimerais bien en fait refaire la maison. Enfin, réaménager un peu la maison. Ginger, voilà, j'ai dit Ginger était là-bas, il me semblait bien. Réaménager un peu la maison pour, comment dire... Oula, j'ai eu un petit bug. Pour que ça fasse un peu plus maison et pas trop fouillé, quoi. Mon bien-aimé, notre aventure nous attend. Allons-y. Let's go. Tu viens avec moi sur le cheval? Ah oui, viens avec moi sur le cheval. Magnifique. Alors attends. Là, j'étais un peu dans les buissons. Bon, du coup, effectivement, là, c'est un peu terminé. Alors attends, arrêt Didi. Ah, faut que je mette un arrêt Didi ici. Tiens, c'est bon à savoir. Mais en fait, faut que j'aille aux portes portières pour prendre... Ah, l'île Argent Étoile, elle est là. Ok, très bien. Là, on est d'accord, il faut que j'aille aller sur l'île Argent Étoile. Donc, il faut que j'aille au port de partir. Très bien. Très bien, très bien. Eh ben, prenons l'arrêt Didi. On va aller au port. Voilà. Bon, je laisse le festival d'automne. De toute façon, Ginger, ça l'intéresse pas plus que ça. Elle était entre les bâtiments, là, un peu cachée. Donc, autant en profiter que tout le monde est à la fête, là. Et puis nous... Voilà, on a participé rapidement à la fête. J'ai réussi un plat cette année, alors que l'année dernière, j'ai pas réussi de plat. Mais en même temps, je connais pas les recettes. Je ne connais pas les recettes, donc j'improvise un petit peu. Et du coup, écoutez, on s'en est pas trop mal sorti, on va dire ça comme ça. Alors, je pense qu'il faut que j'aille là-bas. Tiens, on peut acheter quoi ici, tiens? Station d'échange du port. Qu'est-ce qu'on peut acheter? D'accord, il y a encore des petits meubles ici, des petits trucs qui pourraient être utiles. C'est quoi ça, un appareil photo? Ok. Ah, je peux acheter de la moutarde, tiens. Ok. Des meubles, des cadres. En fait, c'est bon à savoir, c'est qu'il y a des trucs, diagramme d'assemblage, panneau publicitaire, étagère à plantes, tapis de course. Ah, il y a des trucs, et ça s'achète avec des disques de données. Alors, les disques de données, j'en ai plus beaucoup, on va dire. Et il va falloir que j'en donne à Petra. Je pense qu'à un moment, il va falloir que je retourne faire, comment dire? Un petit passage en grotte, continuer vers l'île Argent Étoile. Oui, tout à fait, avec Ginger. Est-ce qu'on va la voir sur le bateau? Est-ce qu'on va voir une cinématique en bateau? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Oui. Ah, par contre, on n'a pas l'air de la voir. On part tout seul. Non. T'as oublié Ginger. T'as oublié Ginger. Hop. Bon, allez. Je pense qu'elle va nous... Elle va nous rattraper. Elle a pris le train d'après. Le bruit de la mer, les oiseaux, la vue... Être là avec toi. Je ne peux pas décrire la joie que je ressens en ce moment. J'aimerais pouvoir garder ce moment pour toujours. Revenons ici souvent. On est trop beau. C'était stylé cette petite scène là. Ah, le concours qui se termine. Et du coup, effectivement, ça rendait vachement bien avec le... Avec, comment dire, les... Et mon cheval, il est là. Mon cheval, il est pas là, en fait. Ça rendait vachement bien avec les... Comment dire, le parasol, la chaise longue à deux. Là, je ramasse les noix de coco parce que du coup, j'en ai donné quelques-unes. Hop, j'aurais su que j'allais venir ici. En fait, bah, j'aurais profité. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, voilà, on récupère un peu de corail, mais de toute façon, je pense qu'on va rentrer. Pour l'instant, je n'ai rien à faire sur l'île Argent Étoile. Donc, let's go. Retournons
à Portia. Voilà. Enfin, sur l'île principale de Portia, parce que... Est-ce que ça appartient encore à Portia ici? Je pense pas, quand même, parce qu'on s'est un peu éloigné. Donc, rentrons. Mais du coup, elle voudra peut-être y retourner. Pourquoi pas, écoutez, au final, c'était pas si galère que ça, la mission. Fallait juste savoir où acheter la chaise longue et où acheter le parasol, mais en vrai... c'était assez simple. Ginger, ah voilà, j'allais dire. J'attendais Ginger, elle monte sur le petit cheval, là. Voilà. Hop, voilà, la privilégiée, quoi. C'est la seule que je laisse monter sur mon cheval, hein. Ah non, il y a... comment il s'appelle? Il y a Arlo aussi, qui est monté quand on a fait son jogging, là. Bref, allez, une mission accomplie encore. Et là, on va aller au centre de recherche, puisque, a priori, si je peux aller demander à Petra des infos... Alors, est-ce que c'est fermé? Ah, je m'en doutais. Ah, bah attends, elle est là. Parfait. Il faut une pompe à eau et un chauffe-eau pour l'auberge des sources chaudes. La pompe alimentée ne devrait pas être un problème, puisque Portia en utilise une pour l'approvisionnement en eau. Nous allons voir pour le chauffe-eau. Je vais avoir besoin de 5-10 de données pour m'aider dans mes recherches. Bah, écoute, tiens, les voilà. Bien joué, je vais lancer les recherches de ce pas. Hop, bah attends, tant qu'on est là, je vais te parler et je vais te donner un petit cadeau parce que toi, tu aimes bien le saumon crémeux. Voilà, ça me plaît beaucoup, tu es très sympathique. Ah bah merci. Merci. Ginger, tu montes? Ok, elle monte. Très bien, attendre le diagramme. Et donc là, en termes de mission, qu'est-ce qui nous reste? Ouais, sinon il y a ça, mais ça du coup, je ne sais pas comment on a les composants électriques. J'avoue que je me suis pas renseigné là-dessus. Mais bon, c'est pas très grave. Ah bah écoute, je pense que Ginger, on va aller se coucher, hein, nous, tranquillou. Tranquillou. Oh, attendez, j'ai du courrier, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi j'ai du courrier? Hop. Alors, de la mairie. Merci d'avoir participé au concours culinaire, ça a été un franc succès grâce à toi, un petit quelque chose pour te remercier de tes efforts. Des badges de festival d'automne, très bien. Et du coup, quel dommage que ton produit ne figure pas dans le top de la compétition. Ah bah ouais, ma pauvre laitue, là. Nous espérons que tu travailles tout aussi dur lors de la prochaine compétition. Voici quelques objets pour te consoler. Ok, prenons une graine géante spéciale. D'accord. Faudrait peut-être que je la plante, en vrai. Je pense que demain, on va peut-être aller chercher des grandes caisses à cultiver pour faire plus de trucs, parce que j'ai des graines que je peux pas planter. Donc, on va en acheter peut-être 2-3. Comme ça, au moins, on fera un peu plus de plantation. Ah, mon petit chien qui m'attend... hop. Il m'a attendu sagement toute la journée pendant que nous, on a été partis faire bronzette. Enfin, pas bronzette, mais on a été se promener sur l'île Argent Étoile. Ou Étoile Argent. À chaque fois, je sais pas si c'est Argent Étoile ou Étoile Argent. Mais c'est pas grave. Allez hop, j'ai fait un petit câlin. Et du coup, on va se coucher tôt. Parce qu'on en a fait des choses aujourd'hui. Hein. Le tournoi culinaire, on a été à l'île Argent Étoile. Hop, pas mal de choses, mine de rien. Allez, on se réveille. Et Ginger, elle est là. Ça va? Qu'est-ce qu'elle veut? Hop. Ah, elle veut une invitation. Ça te dirait de passer du temps ensemble demain? Oui. Parfait. À 20h, à la place centrale. Eh ben, c'est très bien. Du coup, ce sera en journée off, je pense. Donc, je ferai ça tranquillou. Hop. Alors, même si, du coup, de ce que j'ai compris, attendez, parce que, de ce que j'ai compris, en social... Ah non, je pensais que j'étais au max. Eh, mais attends, ça a rajouté des cœurs, là. 2, 4, 6, 8, 10... Ah ouais, mais il y a plus de cœurs, en fait. Il y a Là, par exemple, il y en a 2, 4, 6, 8, 10... Ah ouais, là, il y en a 12, en fait. Il y en a 12 pour elle. Et du coup, il y a qui que... Alors, normalement, par exemple, Arlo, je suis à 4 cœurs, je devrais le voir sur la minimap. Normalement, Arlo, ok, le piège parfait, Gale, Ginger, je pense que Arlo, je dois le voir sur la minimap, et du coup, là, ouais, j'ai eu des amitiés un peu avec tout le monde, là, et tous ceux que j'ai 2 cœurs au moins, je crois que je vois leur anniversaire dans ce truc-là, qu'est-ce qu'il y a, là? Ah, j'ai rendez-vous, ok, d'accord, là, il y a l'anniversaire de mon chien, là, oh, trop cool, faudra que je prévoie un truc, très bien. Génial, j'ai bien travaillé, regarde un peu. D'accord. Tu veux que je regarde quoi? Il m'a interrompu un peu au passage, là. Mais ok, bah écoute, si t'as bien travaillé, tant mieux. Hop, je récupère tout ça. Pourquoi j'ai eu un disque de données?
J'ai eu un disque de données dans les loots, tiens, ok. Du centre de recherche, voici les grammes pour la pompe automatique et le réservoir de chauffe-eau, il devrait t'aider dans ton travail, j'ai hâte de profiter des sources chaudes. Tout le monde a envie de profiter des sources chaudes, je pense. On va regarder un petit peu ce qu'il faut, comme matériaux. Alors, parce qu'à mon avis, je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui, mais je vais peut-être pouvoir commencer les crafts. Alors... Ok, des vannes, ça j'ai. Des plaques d'aluminium x4, mais je vois que j'en ai besoin de 2 ici aussi. Et bon, déjà, je vais lancer de l'aluminium, parce qu'a priori, je vais en avoir besoin. Voilà. Alors, de l'aluminium. Hop. Ah mais non, attends, c'est pas de l'aluminium. Enfin si, je peux en lancer comme ça au moins, je suis sûr d'en avoir. Mais en fait, c'est pas de l'aluminium, c'est les plaques d'aluminium. Et mais en plus, je crois que... Hop. Là j'en ai 2, donc en fait si j'en fais une de plus, à mon avis, on est bon. Et je vais en faire 3 de plus, comme ça. Au moins je suis sûr qu'on sera pas trop mal. Au final, je vais peut-être pouvoir tout faire aujourd'hui. Ah non, je vais pas avoir assez de ça. Donc les plaques d'aluminium, j'en ai 5 sur moi. Donc 4 ici, plus 2 ici, donc là il m'en manque une, c'est ça. Les vannes, je les ai. Grand tuyau, je crois que ça se fait avec les vannes, ça. Ok, et il faut un foie industriel et des cuirasses en acier. Les cuirasses, je pense que ça j'ai pas. Hop, est-ce que je peux regarder juste les vannes, les grands tuyaux, c'est ça? Alors, il faut des vannes, il faut de la résine, j'en ai un petit peu, il faut des tuyaux en bronze, et il en faut 4 par truc. Ok, d'accord. Et il m'en faut combien des vannes? Des grands tuyaux, pardon. Il m'en faut 2 ici et 2 ici. Donc au final, il va me falloir 16 tuyaux en bronze, et j'en ai déjà quelques-uns, je crois. Pourquoi j'arrive pas à... Ok. Tuyaux en bronze, j'en ai 4, il va me falloir 16, donc... On va s'en faire 12 de plus. Et du coup, je vais me faire une petite réserve. Je vais en faire 15. Let's go. Let's go, let's go. Comme ça, moi, j'aurai un peu d'avance. Attends, lâche la hache parce que j'ai l'impression qu'il veut casser tout là à chaque fois. J'ai l'impression qu'il veut tout casser. Ok, donc ça va être bon. Ça va être bon. Ça va être bon. Le fourneau industriel. Alors, ça, je me rappelle plus comment on fait. Le fourneau industriel. Hop, ça, je pense qu'on va pouvoir le faire, à mon avis, assez rapidement. Fourneau industriel, c'est un des premiers trucs, hein, je crois. Ah, quoique, non, c'est le dernier. Ah bah tiens, il était là. Il était là. Dalle de marbre, ok, j'en ai assez. Ça, il m'en faut 5. Ok, j'en ai 49 barres, par contre. Ok, donc faut que je lance ça. Je vais certainement avoir besoin des noyaux industriels. Ok, donc faut que je lance des plaques acier et que je récolte des pierres de sang, à mon avis. Et de la résine, hein. Et de la résine. Ou alors faut que je la lance la résine, mais j'en sais rien. Hop, alors déjà, voilà, on va lancer des plaques acier. Je vais en faire. Je crois que c'était 5, comme ça. Je vais en lancer 5 dans mon mixeur. On va lancer de la résine. Voilà, fabriquer. Let's go. Je sais que je vais en avoir besoin. Ouais, je sais qu'on peut en avoir dans les arbres, mais c'est un peu. C'est un petit peu galère, donc ça c'est bon, ça c'est bon. Il va manquer juste ça, ok, donc des pierres de sang pour faire deux trucs, deux tuyaux roses là. Ok, ça je connais, ça je connais, ça je connais. Très bien, on va retourner tout au bout. Allez, allez, allez. Et là c'est vrai que ça va être vraiment primordial d'avoir, je sais pas, un moyen de naviguer plus rapide que ça, quoi. Ok, et pour ça, pour les cuirasses en acier... Du coup, il m'en faut 6. Et ça, du coup, si je me trompe pas, cuirasse en acier. Donc, il me faut 6 charpentes et 6 baguettes. Et 6 plaques. Ah oui. Donc, en fait, les plaques, il faut que je relance plus que ça. Il faut que je relance 6 de plus. Voilà, parfait. Il faut que je lance des baguettes. Il faut que je lance des baguettes au moins 6. Puis tiens, tant que j'y suis, fais-en 10. Très bien, je remets du bois. Parfait, on est bon. Et je commence à prendre des bons réflexes là. Tac, tac. Il va me falloir des charpentes. Les charpentes. 6 charpentes. Avec quoi ça se fait les charpentes? Je me souviens plus. On en fait tout le temps hein, les charpentes, mais j'arrive pas à retenir. Ah, il faut des baguettes aussi. Et du coup, vu qu'il m'en faut 6, au final, j'aurai besoin de plus de baguettes. J'aurai besoin de plus de baguettes. Bon, de toute façon, effectivement, je pense pas qu'on le fera aujourd'hui parce que j'ai plein de trucs qui sont à venir. Vas-y, tiens. Comme ça, au moins, j'aurai des baguettes d'avance. Ce sera très bien. Voilà. Mais au moins,
La prochaine fois, moteur militaire, ça j'en ai. Panneau de contrôle, faut que je regarde. Ça c'est en cours, Panneau de contrôle, bah a priori puissance silicone, il m'en faut un, enfin, donc ça devrait le faire. Panneau de contrôle. Bon oui, je peux en faire 19. Large. Voilà, ok. Bon bah tout est en train de se préparer, tout est en train de se faire. Là, vous voyez, je les aurai dans un jour, etc. Donc j'aurai normalement tout pour demain. Donc ça, ce sera plutôt cool. Ok, je vais pouvoir m'occuper de mes petits animaux, là. Hop, ramasser les petites crottes dans l'étable, etc. Voilà. Et puis j'ai dit que je voulais aller à l'église pour aller chercher des grandes cuves. Ah, mon inventaire est plein. Super. Attends, j'ai un coffre là, je crois. Oui, j'ai un coffre ici. Alors, en même temps, j'ai plein de bazar, là. J'ai plein de trucs que j'ai récupérés un peu partout. Donc, minerai, voilà, tiens, est-ce qu'ils sont les autres minerais, là? J'ai eu que ça aujourd'hui en minerai. J'y crois pas, bon, c'est pas grave, végétaux, là, je vois que j'ai plein de végétaux, ça, voilà, tout ça, très bien, déjà un petit peu de place, ça aussi. Ça, je me disais bien que je l'avais mis là-dedans. Ok, arbre. Hop, du bois, du miel, des pommes. Voilà, tout ça, ça va dans arbre. Très bien. Bon, déjà, on a fait de la place et dans loot. Ah oui, mais attends, j'ai pas récupéré tous les loots. Donc, ça sert à rien pour l'instant. Que je range tout ça. Ok, fourrure abîmée. Hop, 116. Et lui, il monte plus, hein. Il monte plus en amitié, le petit mouton, là. Hop, toi non plus. Et je vais essayer d'arrêter de les caresser, voir si ça baisse, tiens. Bon, eux, je vais continuer, parce que du coup, j'en ai besoin, les petites poules. Enfin, en soi, les poules, non, c'est plutôt les canards, là, que j'ai besoin. 96%. Ah, donc demain, normalement, ce sera pas mal. Demain, on sera bon. Alors, les canards, qu'est-ce qu'ils vont donner? Je n'en sais absolument rien. Et est-ce qu'ils ont bien de la nourriture, eux, en passant? Est-ce qu'ils ont besoin de la nourriture? Ouais, ils ont de la nourriture. Ils en avaient encore. Très bien. Allez, viens, on va aller à l'église, là. On va aller chercher des caisses à... Oh, tiens. Mint, tant que t'es là. Alors, j'ai encore la notion du temps. Tu es perdu d'avance. Ok, très bien. Tiens, voilà. Ah, mais du coup, elle me les a redonné, les trucs, là. Ah, elle m'a redonné ça, mais pas la chaise. Ou alors, j'ai rangé la chaise. Hop, merci, c'est super. Ok, c'est qui est là? Ah ouais, c'est Dana et puis un des frères. Je sais qu'ils avaient dit... j'avais vu un dialogue, ouais, il aime bien Dana ou je sais pas trop quoi, là. Hop. Alors, allons à l'église. C'est pas souvent qu'on va à l'église. Hop. Ah mais en plus, on est dimanche, j'ai même pas tilté qu'on était dimanche. Bah c'est parfait. C'est parfait, on va croiser pas mal de gens. Grande caisse à cultiver, voilà, on va acheter ça. Ah mais ça s'achète avec les disques de données. Ah bah j'ai bien fait d'en avoir alors. Ouais, j'en ai acheté 3, pas plus, parce qu'au final je veux garder un peu de disques de données, clairement. Emily, bah tiens, ça tombe bien que tu sois là, toi. Ouais, en fait, le dimanche, c'est vraiment le moment où il faut aller à l'église, parce que t'as tout le monde qui est réuni au même endroit. Donc ça, c'est très cool. Hop, Papa Bear se raconte qu'il est triste de voir que Toddy est un criminel, parfois on pêche avec lui dans la rivière. Ok. Tiens, tu veux lui donner du miel, si tu veux, j'ai du miel. Est-ce qu'il aime bien? C'est pas à moi. Oh, c'est un cadeau. Ah, ok. Bon, je crois qu'il aime pas. Hop, bon, je le repars un peu dans le dos, là. J'avoue que c'est pas terrible. Hop, très bien. Je vais faire le tour, au moins. Alors, Alice. Oh, la position qu'elle a, là, les jambes croisées. Stylé. Tiens, toi, t'aimes bien le miel, par contre. Voilà, Presley, j'ai pas de cadeau pour toi, mais je peux te donner un cadeau. Hein. Je peux te donner un cadeau si tu veux. Qu'est-ce que tu veux, Presley? Tu veux du miel? Tiens. Oh, plus un. J'espère que ça me plaira. Bah, moi aussi, écoute. Écoute, moi aussi. Mars, j'ai rien pour toi. Carole non plus. Polly. Attends, que je me rappelle bien. Molly, Polly, Dolly. Attends, là, je parle à qui? Je parle à elle. Elle, je sais plus ce qu'elle aime. Je sais plus ce qu'elle aime, elle. Tiens, tu veux un soda?
Oh, parfait, elle aime bien. Elle aime bien. La blonde, je sais qu'elle aime comme Emily, donc elle aime les salades de fruits. Voilà. Parfait. Est-ce que ta pote, elle aime bien les salades de fruits, là? Attends, est-ce que j'arrive à choper celle du milieu? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Est-ce que t'aimes bien les salades de fruits? Plus 1. Bon, écoutez, on va pas. Hein. Higgins. Toi, tu me fais toujours la tronche. C'était une année favorable pour nous, le constructeur. Je me demande si Musa va assez encore nous accorder d'autres projets. Ok. La personne qui dit que les golds fait bon bonheur n'avait clairement pas assez de gold. Ok. Hop, je te laisse tranquille. Lucie, Phyllis, mais en fait, j'ai rien pour vous, là. J'ai rien pour vous. Je vais donner du miel à tout le monde, moi. Je donne du miel à tout le monde. Je suis comme ça, moi. Je suis le distributeur. Bon, c'est peut-être parce que c'est le truc que j'ai le plus. Écoutez. Au moins, ça fait du plus 1. De toute façon, j'ai pas de cadeau là tout de suite. Donc, autant donner quelque chose. On tente. Hein. Ok, plus 1. Bon, super. Super, super. Russo. Russo. Hop. Ok, il doit faire les courses. Tiens, t'aimes bien le miel ou pas? Pas plus que ça. En fait, personne n'aime le miel. Mis à part les deux que je sais qu'ils aiment. Les autres. Riffri au saumon. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Tiens, prends du miel à la place. Voilà, j'espère que ça me plaira. J'espère aussi. J'espère aussi. Hop. Ah mince, il a parlé de Toddy. Il a parlé de Toddy, mais j'ai pas vu ce qu'il a dit. Tiens, tu veux du miel? Voilà, quelle générosité. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. Ah, mais il y a Nora, là, attends. J'avais pas vu. Ça va? Hop, tiens, du petit miel. Ah bah elle aussi, elle aime bien, mais pas plus que ça. Très bien, bon allez, je vous laisse à l'église. Et faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous dites dans l'église. Allez, on va aller poser nos caisses. On va aller poser nos petites caisses. Hop, ouf, le saut de l'ange là. Mais bon, c'est pas grave. On a pris un petit raccourci, disons. J'ai loupé la marche. On va dire ça comme ça. Alors, vas-y, descends de ton cheval. Est-ce qu'on pouvait en remettre une ici? Je me souviens plus si j'avais... Je m'étais mis de côté qu'on pouvait en mettre une là. Non, je peux pas. Je ne peux pas. En vrai, je pense que je vais enlever... Attends, est-ce que je peux enlever les autres? On va la prendre. Attends, vas-y, pour l'instant, je vais mettre là. Prendre. Je vais mettre là. La grande. Voilà, comme ça, je vais mettre toutes les grandes l'une à côté de l'autre. Les unes à côté des autres. Si j'y arrive. Voilà, parfait. Ensuite, toi, viens là. Hop, ici. Parfait. Toi, viens là. Ici. Hop, en attendant. On est bon. Voilà, et là, je vais pouvoir en mettre une sur le côté. Très bien. Très bien, très bien. Voilà, et ici. Alors, est-ce que j'ai la place pour en mettre une petite à côté? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et donc, du coup, où est-ce que je vais les mettre, les petites? Est-ce que je peux les mettre là? Ah, je peux en mettre là, en fait. Ah, là, non. Mais je peux en mettre au moins ici, si j'y arrive. Voilà, bah, on va faire ça. Je vais les mettre par là. Hop, tout aligné, là. Voilà, ce sera très bien. Faut juste pas que ça bouche le passage devant la maison. Mais en vrai, je pense que je vais peut-être faire un virage. Peut-être faire juste un petit virage comme ça au moins. Ça fera le tour de... Ça fera la grande, mais il y aura le tour des... avec des petites, quoi. Voilà. Ce sera très bien comme ça. Magnifique. Et si je veux, je mettrai des petites tout autour. Ça fera beau. Bref, ah bah voilà, au moins là, on a de la place. Alors attendez, j'avais eu des graines tout à l'heure. Je crois que je les ai rangées. Hop, dans mon coffre à végétaux. J'ai des graines... Ah, ça, c'est les graines d'hibiscus. Ça n'a rien à voir. Ah, c'est ça. Les graines spéciales. Grande caisse. Et j'avais d'autres graines. C'était ça. Les zéoloras. Mais 18 jours à pousser. Et ça, ça met combien de jours, ça? C'est extraordinaire. C'est censé devenir un légume géant, mais on ignore lequel. C'est parfait pour le festival d'automne. Ah bah voilà, je peux faire ça, en fait. Ouais, c'est un peu tard, mais... Ok. Semer. Voilà, et ça, fruits patates. C'est très bien, 21 jours. Ok, pousse-toi, toi, le cheval. Hop, ça, c'est les graines surprises, ça. Citrouille, oh, bah, parfait. Et je vais planter un comme ça, parce que vu que je sais plus trop à quoi ça sert, le zéolora.
17 jours, ok. Et normalement, il y a... comment il s'appelle Hack, demain, il devrait me les arroser, je crois. Parce que là... Enfin, pas me les arroser, mais mettre de l'engrais. Parce que là, il mettait de l'engrais là, sur ceux-là. Si je me trompe pas. Bah regardez, il y a de l'engrais sur tout, alors que c'est pas moi qui ai mis l'engrais, hein, clairement. Je vous le dis, c'est pas moi qui ai mis l'engrais. Hein. Par contre, attends, j'avais des graines aussi d'une fleur, là, non? J'avais pas des graines d'une petite fleur? Ah mince, je l'ai pas prise. Bon, c'est pas grave. Bah voilà, on s'est fait... Ah bah... Je parlais du loup. Ah bah voilà, il a mis de l'engrais partout. Ah bah voilà, parfait, beau gosse. Mais en fait, il est revenu juste pour ça. Mais trop bien. Trop bien, moi ça me va, hein. Si c'est lui qui s'occupe d'arroser les fleurs. Bref, en tout cas, bah écoutez, j'espère que ce petit épisode vous a plu. Du coup, il y avait l'événement de la fête d'automne que j'avais pas spécialement prévu. Mais du coup, bah ça nous a permis d'y participer. On a été sur l'île avec Ginger, et puis on a commencé à préparer les ressources pour la pompe automatique, le réservoir d'eau chaude, etc. Et normalement, on devrait aussi avoir des nouvelles de la part d'Albert. D'ailleurs, je suis en train de me dire que... Il a peut-être mis des missions à la... Ah mais non, je suis bête, on est dimanche, il n'y a pas de mission. Ah, il y avait l'inspection, mais c'est trop tard, l'inspection elle est finie, c'était jusqu'à 15h, mais bon, c'est pas grave. Donc je crois qu'Albert, il a dit qu'il y avait il y aurait peut-être des nouvelles missions, il allait nous solliciter sur autre chose, donc certainement la prochaine fois. En tout cas, eh bien, écoutez, on se retrouve très rapidement. Normalement, j'espère que je vais arriver à faire un jour en off, parce que du coup, sinon, bah, on fera le rendez-vous avec Ginger rapidement ensemble. Mais j'aimerais bien faire une journée en off, et pourquoi pas retourner miner, aller chercher des disques de données, par exemple, ce serait plutôt cool. Bref, sur ce, je vous dis à très bientôt, et sur ce, bye tout le monde !